Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Rogue Trader Warhammer 40k. Allons-y. Nous avons pour objectif d'atteindre notre objectif suivant, bien sûr. Pour objectif d'avoir un objectif. Vous avez compris l'idée quoi. On va à Rikad Minoris. Niveau de team indéterminé. Quoi? Ils sont pas taxés? Commence l'analyse. Extraction, un avant-poste mini-mobile assemblé conformément aux préceptes sacrés du schéma de construction standardisé. Ce petit complexe industriel peut être déployé sur quasiment toutes les planètes, même les plus inhospitalières. Le clan de serre chargé des opérations sur place assurera la maintenance de ces mécanismes bénis et l'extraction des ressources dont le libre marchand a besoin. Niveau de dîme, R992. Il y a R. On y va avec tout le monde, hein. On va faire les petits passages de niveau. Ça a l'air sympa comme endroit, n'empêche. Un petit peu... C'est dégueulasse. Y a aucun fric dans les passerelles. Le budget habillage, il est nulle part. Mais tout est parti dans la statue. Ah, il faut bénir l'endroit, c'est important. Il faut mettre des statues. C'est hyper important. Tu te déplaces sur un vieux bout de ferraille rouillé, mais tu risques de mourir à n'importe quel moment. Mais l'endroit est béni, c'est tout ce qui compte. Vous arrivez à l'astroport sous un tonnerre de tirs d'artillerie et de fumée d'explosion à un tel point qu'il est difficile de discerner qui tire sur qui. Sergent Malgar. Halte! Déposez vos armes ou je tire! Un homme revêtu d'un uniforme sale et en lambeaux émerge en titubant d'un amas de roc béton. Je croyais que c'était place béton qu'on disait, mais bon, c'est pas grave, de roc béton et de plastacier déformé. Et se dirige en boitillant vers vous. Son casque fêlé est orné d'un écusson tordu sur lequel est écrit Sergent Malgar. D'accord, alors. L'espace aérien est bloqué. Les rebelles tirent sur tout ce qui vole. Et vous, vous venez d'atterrir derrière nos lignes sans une égratignure. Et dans ce genre de navette en plus. Où vous avez dégoté un vaisseau pareil? Vous l'avez piqué au palais, c'est ça? Visiblement, les dorures clinquantes de votre navette l'impressionnent. Chopez-les, les gars, ça ne peut être que des rebelles. Abélard, sans pourpre. Par le Saint-Trône, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ilira regarde autour d'elle. Ils sont dans de sales draps, vieillards. Essayez de les ménager. Guerreur sur la planète, je suis une libre personne. Abélard explique. Ce pécor. Comment on salue un élu de l'empereur Dieu. Voilà, je suis libre marchand de la maison Von Valentius. Faites-moi immédiatement un rapport sur la situation. Avec un air à la fois terrifié et admiratif, il se met au garde à vous, relève son menton ensanglanté à la façon militaire et éructe. À vos ordres, votre seigneurie. Tout de suite, l'astroport est sous le contrôle de la garde du gouverneur. Commandant du périmètre, Serge... L'explosion d'une grenade à fragmentation l'interrompt en pleine phrase. Des éclats volent partout, déchirant l'air. L'un des soldats s'effondre, tenant ce qui reste de son avant-bras, désormais écarlate. Du sang jaillit à gros bouillons du moignon. Et son agonie ne dure que quelques instants. Proférant un juron, le sergent récite rapidement une prière militaire pour les morts. Pris d'une quinte de toux, le sergent se tourne vers vous. Pardonnez-moi, monseigneur, sergent Las Malgar, au rapport. Mon unité tient l'astroport sur ordre du gouverneur. En quoi puis-je vous être utile? Que se passe-t-il ici? C'est le chaos, monsieur. Ah! Ça, on adore. Ça fait un peu devenu notre spécialité.
On sait pas pourquoi, mais c'est devenu notre spécialité, comme ça, d'un coup. Dans la capitale et dans toutes les provinces. Ça a commencé par les niveaux inférieurs. Et c'est monté jusqu'en haut des tours. Ils s'en prennent aux centraux, vox, aux arsenaux et aux gares. Alors oui, les vox, d'accord, mais les centraux vox, non, on n'a pas le détail, d'accord. Cassia. Félek a tombé le masque, alors. Précisément parce qu'il était au courant des problèmes sur Ricad Minoris. Il savait que nous ne pourrions pas compter sur nos alliés. Dit Cassia en poussant un soupir de tristesse. Vous pouvez continuer votre rapport paysan. Salope! T'es une mutante. Mon unité était là quand ça a commencé à partir en Grox. Ça aurait été bien de... On a compris que ça partait en 1, voilà. Mais les technoprêtres liés aux satellites ont signalé d'étranges vaisseaux spatiaux dans le système orbitant autour de l'étoile jusqu'à que l'un d'eux atterrisse sur Ricad Majoris. Le gouverneur a pris des mesures de précaution en ordonnant de renforcer la sécurité des installations les plus importantes. Tout le monde sait que quand ça ne va pas, il vaut mieux doubler la garde. L'alerte a été donnée et on nous a envoyé ici pour sécuriser l'astroport. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on a réussi à tenir jusqu'ici. Il nous défonce, ces fumiers. Conséquence de la décision, vous êtes arrivé tardivement sur Ricad Minoris. Ah, ça a mis du temps. Ça fait un moment que les derniers renforts sont arrivés et on commence à manquer de munitions, sans compter qu'une bonne moitié de nos gars sont blessés. Je ne sais pas où ça en est dans les rues, mais ils devraient bientôt nous dégager d'ici. Qui êtes-vous? Juste, il vient de le dire. Qu'est-ce qui a déclenché cette rébellion? Comment se fait-il qu'une petite rébellion de rien du tout vous empêche d'accueillir dignement un libre marchand? C'est une insulte à mon titre. Lui donner une tape sur l'épaule, vous faites du bon travail, Malgar. Et vos gars aussi, ce sont des gens comme vous qui assurent la cohésion de l'Imperium. Je ne peux pas vous laisser comme ça, je vous enverrai des renforts de mon vaisseau. Ok, on envoie des renforts, moi je suis d'accord. J'avais envie de mettre une petite tape sur l'épaule, mais je vis pour servir. Le sergent est tellement stupéfait qu'il n'éructe les paroles que de gratitude réglementaire qu'après une pause un peu trop longue. On tiendra bon, on n'oubliera pas et on priera l'Empereur pour vous, votre seigneurie. Une espèce d'enfoiré a bien failli abattre ma navette, non? Sauriez-vous si un membre d'inquisition est arrivé ici? Lorsque vous prononcez le mot inquisition, le visage du sergent blémit. Aucune idée, monsieur. En tout cas, pas depuis que je suis sur de faction ici. Vous allez devoir poser la question au QG. Je pars voir le gouverneur. Si je peux me permettre, monsieur, tant que les rebelles tiendront cette foutue batterie anti-aérienne, aucune navette ne vous amènera auprès du gouverneur. Il va falloir y aller à pied, mais les rues sont dangereuses. Du reste, je n'ai personne à vous attribuer comme escorte. J'ai envoyé toutes les troupes disponibles accompagner l'honorable technoprêtre, voire le gouverneur. Je les contacterai par transmission Vox pour qu'ils vous attendent et j'informerai le QG histoire qu'il vous envoie un convoi pour vous retrouver à mi-chemin. D'ici là, on va suivre les ordres du gouverneur et tenir notre position ici. Idira fronce les sourcils et son regard se fait lointain, comme si elle cherchait à voir à travers le sergent. Vous êtes un bon soldat, mais vous avez beaucoup de sang sur les mains. Le vôtre, mais pas seulement. La main qui salue aujourd'hui risque toujours de trembler dans l'obscurité. Ce ne sont pas les galons qui vous sauveront de la rancœur. Sans votre respect, madame, je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez. J'en ai vu du sang, hein, mais croyez-moi, je combattrai jusqu'à la dernière goutte. Devenons utile dangereux, qu'est-ce qui m'attend par là? Quel technoprêtre? Devant mon soldat de ma guerre, je verrai ce que votre héroïsme soit dûment reconnu. Et en sûreté à l'arrière, il vous abandonne à votre sort. Vous, vous le glorifiez. Le soldat aurait déjà repris l'astroport. Alors remettez-vous le train, espèce de lâche. Quel technoprêtre? Un membre très important de l'Adeptus Mechanicus est arrivé à bord de la dernière navette avant qu'il ne ferme l'espace aérien. Il s'est mis à poser des questions pour savoir si un type du nom de Damarante ou Damarna, enfin un nom dans ce genre-là, était venu ici récemment. C'est à peine s'il a répondu à nos questions, prétextant qu'il n'avait aucune obligation de le faire. Et donc il a demandé à parler personnellement au gouvernement et j'ai dû envoyer un quart de mes troupes pour éviter qu'il lui arrive malheur.
T'es un bon gars, t'es un gars sûr. Le sergent rougit légèrement. Je vis pour servir. Une autre explosion interrompt le sergent. Avec un soupir de soulagement, il se tourne vers ses soldats et leur éructe toute une bordée d'ordres. Fin de la discussion. Au cours de vos voyages, vous aurez vent de nombreuses rumeurs. Celles qui méritent l'attention du libre marchand sont consignées dans une section distincte du journal. Parfois, ces rumeurs ne sont que des rumeurs. D'autres fois, elles sont partiellement, voire totalement fondées. Pour vérifier une rumeur, rejoignez l'endroit indiqué dans sa description. En traversant les étendues de Coronus, en tant que libre marchand, vous entendrez certainement des rumeurs sur vos agissements et exploits, dont certaines sont la réaction des habitants des étendues à vos choix. Ok. On se fait une petite montée de niveau, les gars ? Non, c'est la montée de niveau. La montée de niveau. Ici, inventaire. Tac, c'est là le niveau ? Pour développer, non. J'ai déjà perdu la touche des niveaux. Voilà. Voilà, ça c'est beau ça. Hein. C'est pour personnage, voilà, merci. Je suis un personnage de type endurant. Ok. J'ai un malus en vigilance actuellement. Ouais. Je peux faire mon augmentation de... Voilà, merci. Sur mon archétype. Alors, plus d'endu ou plus de capacité de combat, chat combien? 45. Moi, je vais monter mon endu comme un porc. Hein. Je vais faire simple. Hein. Animal blessé. Arme de confiance. Des marteaux et des armes laser. Ouais. Ça c'est rigolo ça. Ça je suis d'accord. J'ai plus rien à mettre. Si j'avais encore une autre capa à choisir. Non, non, on est bon. Ok. La madame. La madame, elle est intelligente. Est-ce que la madame... Biomancie. Blessure et modifier les caractéristiques, mesure l'intensité du châtiment d'un personnage pas supporté avant de mourir. Ok, oui, super cool. Mais t'as pas un petit heal qui traîne? Pieux pour protéger leurs alliés et frapper les hérétiques, d'accord. Pyromancie. On peut allumer un brasier à partir de rien. Ça peut être rigolo de la passer en pyromancie pour avoir quelque chose d'un peu hostile. Je vais tenter le coup, hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais... De la logique ou de la technomaîtrise? Alors, je crois que tu es notre personnage le plus logique. Ouais, nul. T'es le perso avec le plus de logique. On a augmenté ta force mentale, ta capacité de tir, elle est à chier. Mais c'est normal, hein, faut que ça reste globalement nul. Vigilance, la logique elle est où? Attends, t'es à 35, c'est pas toi le plus logique. C'est qui le plus logique chez nous? Ah, c'est peut-être Abélard. Abélard, mon connard. Non, 30, 33. À 35, c'est bel et bien elle la plus logique. C'est bien le personnage le plus logique. Ok. Et c'était... Soit la logique, soit quoi? Soit la technomaîtrise qu'on me recommandait. La technomaîtrise, pas sûr. Hein. Technomaîtrise. Je suis à 48. 35, ouais, c'est ça. Hein. Ça vaut plus le coup de la pousser en logique. Ok.
Donc, ok, on revient ici. On disait, on va rigoler, on va faire de la pyromancie. Je pense qu'on va monter ensuite en pyromancie et en biomancie. Voilà, la logique. Connaissance Imperium, connaissance Xeno, ça aurait pu être intéressant aussi. Hein. Je vois pas pourquoi ils veulent pas qu'on le fasse. La vigilance. Ok, terminé. Ensuite, toi, soldat. Capacité de tir, oui, ça me paraît bien. Oui, c'est bon, c'est ça. Hein. On choisit ça. Ok, ici. Bouclier de la foi. Le dévot bénéficie d'un d'armure contre les attaques de démons et les dégâts du warp. Dévot augmente de façon permanente de bonus de. Ça me paraît bien. Mais force mentale, je crois pas qu'elle est si ouf que ça. Pourquoi je peux pas. Pourquoi tu veux pas. Ah, en fait, capacité de tir, tu veux pas l'augmenter. Ok, je peux augmenter son agilité, perception ou sa force mentale. Je vais augmenter sa force mentale parce que je vais lui prendre le bouclier de la foi. Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure optimisation du monde, mais voilà, ça me paraissait mignon à faire. Force mentale de 40, c'est pas vilain. Toi t'as 35 de capacité de tir, 60 de perception, 60 de force mentale. Pouah, t'es solide, hein. Qui a le bonus de logique là? Attends, je crois que c'était elle. Ok, je t'ai mis un truc qui donne un bonus de logique. Bon. Officier. Air d'autorité, mais ça, je les ai déjà, c'est ça? Ah non, je les ai pas. Ok, je les ai pas. Révéler la lumière, 6% bonus de force mentale et d'endurance de 10 plus 1 jusqu'à la fin du combat. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est joli. Hein. Ok. Charme contre nature. T'es quelqu'un de sociable, donc je vais te prendre ça. Maîtrise du temps. Un bénéficiaire d'un tour supplémentaire au combat, le navigateur reçoit un bonus cumulatif de plus 5 à la volonté jusqu'à la fin du combat. Cumulable 5 fois. Mais faut. Moi je vais. Plus 7 en vigilance, ce personnage peut améliorer cette compétence même si son archétype ou son origine ne le permet pas. Ça me paraît bien la vigilance. Hein. Elle mesure la capacité à réagir de manière inconsciente à des choses que l'esprit ne perçoit pas de manière consciente. De détecter les pièges, les objets habilement dissimulés. Ouais. C'est pas mal. Qui. Ouais, je m'en fous, ouais, casse-toi. Qui a la perception à 55 hein. C'est toi qui as la meilleure perception en plus. Ah non, il y a elle aussi. Ouais. Perception, c'est pas déconnant. Hein. Perception, lui filer un bonus de perception, c'est pas sale. Hein. Donc on avait dit révéler la lumière. Et suivant. Peut-être lui mettre. Le charme c'est cool, hein. Mais lui mettre la vigilance de base, c'est pas. C'est en commerce aussi, tu vois, il y a des trucs. Il y a des petits passifs qui sont cool. Et je pense que vigilance c'est pas mal. Parce que les expertises aux armes, tout ça. Ou lui prendre la perception directement, les 5 de perception flat. Ou lui gonfler sa force mentale aussi. Mais je vais prendre ça. Je vais changer un peu. Moi pourtant je suis pour leur prendre les augmentations de stats flat. C'est vraiment. Je pense que c'est vraiment une base très solide. Endurance ou capacité de combat. Barre d'or. Ah oui, bah oui, putain, je suis con, mais on monte les autres en plus. Donc je suis à 40 avec lui. 45, tac, 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 tac. En endu. 55, barre d'or est à 60. Ouais, c'est deux tankos, hein. C'est deux tankos. Est-ce que je vais lui mettre un petit peu de taquinade. Un petit peu de taquinade derrière l'oreille.
Et ça, c'est basé sur l'endu. Cette d'intimidation. Oh, oui, putain. Intimidation sur la caractéristique sociabilité. Il n'y a pas des sociales ici. Hein. Commerce basé sur sociabilité. Sociabilité. Compétence athlétisme. Basé sur force. Okay. Bon, y a peut-être des choses à aller lui chercher ultérieurement, mais. On peut aller lui chercher de la force. Voilà. Pour créer une légère différence entre les deux persos. Mais je suis content d'avoir deux brutes. Deux brutes bien épaisses. Ah, elle est fat. Faut que je lui pousse sa sociabilité. Hein. Faut que je lui pousse au max. Max avec toutes les compétences de sauce. De sauce. Voilà. Donc, toutes les squads, c'est fait. Le sergent, le garde qui est décédé. Did you see that? They almost knocked us out of the air. Some bumbling idiot's going to regret that when he's dragged before the Lord Captain for questioning and trial. I do not think the rogue trader should take a personal interest in a common crackpot. Summary execution will be sufficient. Le grand viaduc servant à accueillir les invités prestigieux est enseveli sous les gravats. Bah bravo. Bravo. Je sais pas ce que c'est, mais on prend tout, hein. Des accumulateurs en plasma super stylé. Trop cool. Trop cool, Funny Guy. Funny Guy. Bon, on n'a pas 50. On va par là, les gars. Hein. Ah, il y a des gens qui meurent. Voilà, voilà, terminé. Capacité de Cassia. Cassia est un officier et la navigatrice de votre vaisseau. Elle frappe ses ennemis avec les énergies du warp et soutient le groupe en rendant ses alliés plus forts. Voix du commandement est une capacité d'officier qui augmente les caractéristiques d'un allié pendant un round. Permet également à l'officier d'utiliser ses autres capacités d'archétype d'officier sur cet allié à n'importe quelle distance. Plus le bonus de sociabilité de l'officier est élevé, plus les caractéristiques de la cible augmentent. Un officier ne peut réutiliser voix du commandement sur le même allié qu'au terme de deux rounds suivant sa première application. Descendez-le est une capacité d'officier qui lui permet de passer immédiatement le tour à un allié. L'allié ne gagne pas de points de déplacement, mais ce tour supplémentaire. Mais obtient un certain nombre de points d'action en fonction du bonus de sociabilité de l'officier. Si un allié est sous l'effet de voix du commandement et élimine un ennemi avant la fin du tour de l'officier, cet allié bénéficiera d'une fougue supplémentaire pour cette élimination. La fougue permet aux membres de votre groupe d'utiliser des capacités uniques appelées actes d'héroïsme. Ah oui, c'est des petits points de fougue, je suis couillon. Ok, on s'en fout, trop de détails, ça tue le détail. Regard sans paupières est une capacité unique qui inflige des dégâts à toutes les cibles situées dans un large cône devant le navigateur, hein, c'est ce qui est le cas ici, avec les énergies du warp. Les dégâts infligés sont basés sur le bonus de force mentale du navigateur. Toutes les créatures ciblées pour cette capacité doivent réussir un test de résistance à la force mentale, à défaut de quoi elles seront étourdies. Donc là je suis quoi? Je suis un Baador tout seul. Yes, oui, ah bah, ado. Ça c'est lui, ok. Les autres? Alors loin, hein. Ouais, bon, on va te mettre gentiment ici, hein, parce que on va pas t'exposer plus que ça. Suivant, Argenta. Ouais, on va te passer par là, Argenta. Il dira, on va te passer par là, il dira. Bah, adore, au milieu, hein, mon gars. Mon gâté. Tiens, je mets, il ira juste derrière toi. On va avancer en fait. En fait, on va avancer. Voilà. Et tu, hop, tu te mets là. Voilà. Hein, tu peux te mettre plus en avant. Plus à l'avant, l'alien. L'alien dégueulasse. Démarrer le combat. Oh, il est pas content. Instigation. Un instigateur. Il a shooté son pote. Alors, ça, c'est beau. Comment je place ma caméra, hein? Je sais pas. Oui, il y a du beau monde là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gars, 12 gars. 12 gars plus éventuellement dans le nuage derrière. Il y a au moins 12 bonhommes si j'ai pas oublié de compter quelqu'un. Voilà.
Ça frite, hein. Moi, je me serais bien mis derrière un parapet de couverture, mais je pense que je vais pas pouvoir tirer. Donc, je vais me placer là. Ah, bah attends, ils me le disent. Si je me mets là, je peux tirer les autres. Allez. Oh, elle est bien cette petite. Hein. Oh, elle est bien cette petite. Hein. Tire à la volette. Donc ça me permet, si je dis pas de bêtises, de me déplacer. De me redéplacer. Et de refaire un tir à la volette. Alors, le problème c'est que j'ai un mec devant là. Ah, j'ai un mec devant. Là je peux toucher quoi? C'est mort. Hein. C'est bon, ça passe. Si je tire par là, je shoot un officier. Vous, vous êtes caché, c'est mort. On va faire un petit tir à une cartouche. Une cartouche. Hop là. Je suis pas chasseur, mais... Ouh, t'as de la chance que je sois pas chasseur. Hein. 8 points de fugue. Fugue. Comment ça? Faire un tir en bois, non? Ok, bon, ce sera pour le... barre d'or, bah ouais, mais j'ai un connard qui est au milieu. Je sais pas. Frappe téméraire, attaque en mêlée suivante du guerrier, bénéficie de 20% de pénétration d'armure. Bah là, ça sera pas ce tour-ci, mon gars. Ça sera pas ce tour-ci, mon gâté. Ah, désolé. Je suppose que je sais plus ce que je fais, j'ai pas joué depuis une éternité. Non, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Défense, armure, voilà. L'armure, merci ma main. Ça ne sert à rien du tout. Tu peux courir jusqu'où? Fous-toi au milieu. Non, non, peut-être pas. Mets-toi ici. Moi je veux bien, mais ta pyromancie elle va jusqu'où? Ah, jusque là quand même. Couverture, si elle pète, bon, on est mal, hein. Let's make it quick. Mais... Ben certes. Certes, oui. En ligne droite, lance une attaque de mêlée. Ok, ok. Alors, attends. Je vais te déplacer... Là. Là. Et à partir de là. Tried and tested tactics are the best ones. At your back and call. Si je fais ça, j'ai plus d'attaque. It will be done. C'est bon, ça c'était gratos. Mais une... At your beck and call, one view and target. Voilà. Ça c'est du bon gars. Je vais faire un contrôle 1. Contrôle 1. Four von Valencius. Ah, je peux aller lui casser la gueule. Ah oui, le fameux tour supplémentaire qu'on peut gagner. D'accord. Ok. Donc bah ça c'est un peu douloureux pour le monsieur qui va être là. I've seen worse battles than this in my time. Et ça c'est ouais, c'est le coup en 3, hein, c'est ça, ouais ouais, tout à fait. Non non, mais je suis une tatane. Hein. Oh le tataniste. Oh le tataniste. Feu.
Alors, fire in the hole, hein. Comme on dit dans le milieu. Bon bah, j'ai plus rien. Ah, si je peux me déplacer pour le ta... Mais non, c'est sérieux, là. Non, mais le mec, il en a marre de... Il en a marre de ce qu'il prend dans la tronche. Ah, vas-y, viens. Follow my lead. Voilà. Je peux plus rien faire. Pourtant, il me reste... Pourquoi moins 3, je comprends pas. Vas-y, arrête. Arrête ton cinéma. Arrête ton char bénure. Là, il y a une couverture, mais c'est pas... Cette couverture n'est pas une chance exacte. Voilà, je veux pas utiliser cette couverture. Parce qu'elle n'appartient pas à la catégorie des sciences exactes. Voix du commandant. A surpassé pendant un tour ses capacités de plus 15. Voilà. If I may. Oh, bon, je suis fier de toi, ma mène. Un tour supplémentaire. Immédiat. Oh. Ah, c'est ça là. Et il n'y a pas de déplacement. Victory is imminent. Ah oui, putain, mais je comprends. Putain, je suis un idiot. Si je regarde mes points de mouvement comme si c'était aussi mes points de fougue, mais je suis trop teute. Oui, vas-y, on va le slasher. Hein. On joue à un slasher en fait. Hein. On voit bien, c'est un slasher le gars. Ok, formidable. Reçoit un bonus de force mentale et d'endu de 20. Allez. Ah, Bélar sous cocaïne. Et ça, c'est quoi? Regard sans paupières. Toutes les créatures présentes dans un cône. Waouh, mais je peux pas connaître. Ok, c'est considéré comme un mur. Enfin. On lit. T'as ignoré le mec. Mais tu vas encore tirer sur ton pote. Arrêtez de tirer sur Cyber Abelard, quoi. Non, c'est possible, il est. Tire concentré. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Ouais, je vais tenter de me mettre par là, ouais. Il peut se passer des trucs, historiquement parlant, par là, non? Ouais, pas grand chose, hein. Pas grand chose. Si je tire là, si je tire par là, je sais pas, ça a pas l'air convaincant. Ouais, vas-y. Allez, on se dit ça. Allez. Ah, c'est ça, hein, c'est un peu le décor qui a pris tarif. Suivante du soldat, inflige 100% de dégâts et bénéficie aussi de 20% de réduction d'esquive. Ouais, si tu veux. As the Emperor commands, I act. C'est lequel? Bardor, bien sûr, Bardor. Not a problem for me. Pas content. La réponse, c'est pas content. Ah, je suis aux pompes. Putain, je suis aux pompes, je suis trop con. Mais... Et j'ai passé mon tour. Je suis un teuteux, j'ai fait ça. Oh, je suis tellement un con. Viens ici. Fait une pyromancie sur ce monsieur. Voilà, c'était trop cool. Bien joué. Hop. We'll do. Break them or all. Out my way. Piu. Oh, ça pue piu, hein. Tôt ou tard, Abelard te tuera. Putain, j'ai encore fait espace. Oh, faut que j'arrête de garder la main sur cette touche. Allez, hein, ça fait deux fois que je me douille tout seul. On va arrêter. Je vais arrêter de m'en servir. Ouais, viens là, je voudrais expérimenter ton œil de maléfice là. Ton truc là, ton troisième œil là. Voilà, c'est ça. Battlefields are always drowned in scarlet. Fais leur boue. Ah non, mais ça, ok, non, ouais. Ah oui, c'est dangereux. C'est dangereux comme ça. Est-ce que tu veux bien donner un tour immédiat à un copain copain. Où, copain? Le copain, là. Tu veux pas le copain? Tu veux aucun copain? Les copains. Merde.
Oui, si tu veux. Ouais, ouais, tout à fait. Faisons ça. Putain, j'ai plus sur espace. Forge ahead. Non, j'ajoute de la difficulté à mon jeu. Changement d'arme. Ok, changement d'arme. Ok, c'est gratuit, changement d'arme. C'est formidable. Ça sert à rien, je peux pas l'atteindre. Changement d'arme. 4. Je peux pas l'atteindre. Changement d'arme. Let's go. Changement d'arme. Let's go. Ça, ça me fait juste charger tout droit comme un têteux. Ouais, super. Royal au bar. Je peux pas le cramer, il est trop. Ah si, il est parfait. Bon bah voilà. J'ai triomphé sans difficulté alors que j'ai joué, mais comme une merde. Mais alors, comme une merde. Oui bah fouille. On peut pas fouiller les gens. Voilà, fouille ce type. Ah ouais. Bah je suis d'accord. It's about time. Mes yeux, vous les avez? Je veux les récupérer, rendez-moi au moins un, par pitié. Le mec est sympa quand même. Genre, il demande même pas les deux, genre juste un. Juste un Remido, s'il vous plaît. Jasper la chance. Attends. Connaissance Imperium, sans. That wasn't so difficult. Sur le côté de la vedette, on peut lire dans l'argot. Ah merde. Ah non, mais du coup. Ah, oh, c'est dommage, j'ai plus le petit texte, j'ai pas eu le temps de le lire. Dommage. Enfin, en tout, on charge la cargaison. On charge la mobilette. Hein, hein. On pouvait partir par là. Ah, il y a un truc par là. Il y a un secret, on peut aller chercher un butin par ici. Follow my lead. Les yeux, ils mentent. L'aube finale purifie la vision. D'accord. Ne vous approchez pas. Je vous tire pas. Oula. Si vous ne vous approchez pas. Putain, je ne vous dis. Ouf, voilà. Ah, on se. La vérité, vision, renoncer à ce qui est fausse, tout vous sera révélé. Bon, ok. Jasper la chance. Bon, vous ferez pause, hein. le jeune soldat hirsute est encore pâle. Pourtant, quand vous vous approchez, il rengaine son pistolet. Geste qui témoigne d'une bonne discipline. Il vous lance un regard quelque peu apeuré, mais son visage s'éclaire d'un vrai sourire. Merci, votre seigneurie. Vous arrivez à point nommé. J'ignore ce que ces babillards me voulaient, mais certainement pas du bien. Qui êtes-vous ? Jasper Lachance, l'aide du gouverneur et son opérateur Vox personnel. On m'a demandé à l'astroport. On m'a dépêché à l'astroport avec des ordres bien précis, clame le jeune homme en essayant désespérément de recoiffer ses cheveux ébouriffés. Dites-moi ce que vous faites ici tout seul. Je suivais les instructions spéciales du gouverneur Médinet. Son visage prend une expression douloureuse et vous le voyez serrer les dents et plisse le front. Oh, c'est vrai, c'est une mission secrète, je ne peux rien vous dire. Connaissance Imperium, je suis libre marchand, je pourrais simplement vous ordonner de tout me dire. J'en ai le droit, vous le savez, vous savez. Et si vos renseignements sont vraiment importants et que vous mourrez avant de les transmettre, intimidation, faire un clin d'œil à Edira. Maîtresse Tlas, auriez-vous l'aimabilité de me révéler toutes les pensées de ce jeune homme, s'il vous plaît? Quel que soit le châtiment que vous craigniez, sachez que je peux vous infliger bien pire. Vous devriez vous mettre à table, frapper hors de ma vue, vous n'êtes pas, j'ai pas de temps à perdre.
Très bien, gardez donc vos secrets. Non, Imperium. Réussi, un libre marchand. Après avoir lancé un regard fugace vers votre équipement, il hoche la tête. Je vois, vous devez venir du vaisseau de la maison Von Valensius. La station de surveillance augurale de l'astroport avait signalé l'entrée de votre vaisseau dans le système. Puis vous avez mis en panne, envoyé une navette vers un autre vaisseau non identifié, plutôt étrange d'ailleurs. Puis ce vaisseau est parti. Jaspar s'interrompt l'espace d'un instant, puis marmonne. Sauf que les rapports de la station de surveillance augurale de l'astroport ne sont pas censés être divulgués à des tiers. Mais vous le savez déjà, j'imagine. Bon, très bien. Si vous êtes vraiment un libre marchand, je vais tout vous dire. Pourquoi vous ont-ils envoyé à l'astroport? Je suis censé livrer des nouveaux codes Vox, mais aussi évaluer la situation. Cette planète est en proie au chaos. Les rebelles ont trouvé un moyen de se connecter à notre réseau Vox et ils écoutent nos conversations, ce qui rend impossible toute communication digne de ce nom. Le Cénébium électrodynamique sacré avait envoyé un appel de détresse avant que ces communications ne soient interrompues. Et allez savoir ce qui s'est passé dans le système, il y a eu une émeute sur Ricadiphilia, le planétoïde carcéral, la station Eurac 5 ne répond plus, même s'il est vrai que les navigateurs ont toujours été du genre taciturne, j'espérais avoir suffisamment de chance pour croiser ici un pilote ou un capitaine capable de me mettre au parfum. Mais il ne faut plus trop y compter, les rebelles font sauter tout ce qui tente d'atterrir avec leur maudit canon. Test de vigilance réussi. Il s'arrête de parler un peu trop brusquement. Vous me cachez quelque chose si je me trompe d'autres secrets confidentiels? Jaspar détourne le regard. Ce n'est pas confidentiel, c'est personnel. Je suis ici, c'est pour une autre raison. Ma fiancée a disparu. Elle s'appelle Raquel Vekari. C'est la pilote personnelle de l'honorable Evain Winterscale. Quand les rapports concernant l'émeute sont arrivés à Ricadiphilia, le seigneur Evain s'est personnellement rendu sur place, puis la rébellion a frappé ici avec et les communications ont été coupées. Personne ne sait ce qu'il trafique là-bas. Vous savez ce que je crains le plus, c'est qu'ils reviennent et que ces ordures de rebelles les abattent. Je voulais trouver un endroit élevé où installer un émetteur Vox, et leur envoyer un message précisant que l'espace aérien était fermé et qu'il ne fallait pas tenter d'atterrir. Mais j'ai été découvert, ces fumiers m'ont pourchassé, et au cours de ma fuite, j'ai cassé l'émetteur en trébuchant, dit-il en inclinant la tête d'un air triste. Je m'en fais pour elle, j'ai beau savoir que c'est une excellente pilote, je suis tout de même inquiet. Abelard désapprouve en secouant la tête, mais son regard est compréhensif. Voilà pourquoi à bord d'un vaisseau, tous les membres d'un clan occupent la même fonction. Un serviteur de l'empereur a beau être dévoué corps et âme à son devoir, il y a toujours un risque que les liens familiaux perturbent les règlements et l'ordre. J'ai peur que s'en sortira ce n'est sauve. Ne priez pas pour sa survie, mais pour une mort honorable, on ne sait jamais. Je vois. J'espère que s'en sortira ce n'est sauve. Que l'empereur vous protège, votre seigneurie. Si quelqu'un que vous aimez a des ennuis, qu'il le protège aussi. Qui est Ewain Winterscale? L'honorable fils du très saint Caligos Winterscale, libre marchand et maître du système de Ricad. Sur ordre de son illustre père ou grand-père ou oncle, je ne sais plus. Bref, sur ordre de son illustre parent, le seigneur Ewain a été élu domicile à Ricad Minoris. Le visage de Jaspar se crispe, puis il laisse échapper. Vous savez ce que je pense? Je trouve étrange que le très saint Caligos ne l'ait pas nommé souverain de notre monde. Le seigneur Evain est de son sang, mais c'est le gouverneur qui nous dirige. Sinon, pourquoi l'aurait-il envoyé ici, à votre avis? Pour moi, il l'a bel et bien exilé. Selon vous, le gouverneur est-il capable de mater la rébellion? Je recherche un... Ouais. Le mutilibre tellement. Vous savez, à bien réfléchir, je crois que vous méritez d'être châtié pour m'avoir caché des renseignements classifiés. Il manque une case, là. Chef, t'es con. Ok.
Parce que moi, je veux bien maltraiter des humains, mais quand les mecs qui nous permettent de voyager sont littéralement des chaos, parce que Cassia, c'est une chaos, elle est mutante. Accepter des mutants noblions, c'est ok, mais des humains qui n'ont rien demandé à part qu'ils sont mal nés, les mutiler gratos, bon, c'est un peu fastoche, quoi. Parle-moi de Rack 5. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Elle appartient à la Navis Nobilité. Et est allé savoir ce qu'ils y font, ou même qui peut bien y vivre. Ils méprisent les gens ordinaires, et la seule personne qu'ils acceptent de rencontrer, c'est l'honorable Evane Winterscale. Vous commencez à avoir l'impression qu'il se plaint. C'est un endroit sordide, on raconte qu'il commande régulièrement des navettes entières de serviteurs de Rickard Minoris. Ils doivent se croire trop importants pour faire le ménage eux-mêmes, j'imagine. Sauf que je n'ai jamais croisé un seul domestique là-bas. C'est comme si personne n'en revenait jamais. Vos frères et sœurs ont vécu et sont morts pour une grande cause, au service d'une maison de navigateurs et, par extension, de tout l'Imperium. C'est un immense honneur dont peu auraient su se montrer dignes. Tuer des gens pour tout et n'importe quoi, Cassia? Connasse? Sac à merde? T'as qu'à te faire tes lacets toute seule? Jasper remarque enfin la présence de Cassia et ses yeux s'écarquillent de peur. Il ouvre la bouche et la referme plusieurs fois d'affilée, comme un poisson, incapable de produire le moindre son. Il se contente de hocher la tête nerveusement. Selon vous, le gouverneur est-il capable de mater la rébellion? Jasper marmonne de façon évasive. Oui, évidemment. Je ne suis pas pessimiste au point d'affirmer le contraire. Je ne dirai rien à personne. Réussi. Vraiment? Dans ce cas, je vais vous dire, la situation est catastrophique. Il débite ses paroles à la vitesse d'une mitrailleuse. Ces rebelles sont étranges. Nous aurions facilement étouffé une émeute classique, après tout. Nous sommes des Ricadiens, l'élite de la navale de la maison Winterscale. Pas des guignols, mais ces gens-là sont d'un tout autre genre. Ils n'ont peur de rien. Et leurs attaques sont d'une précision redoutable. C'est comme s'ils savaient à l'avance ce qui allait se passer. Le haut commandement a exécuté 7 officiers soupçonnés d'espionnage. Mais là, ce n'est pas le problème. Il paraît que les rebelles sont dirigés par une certaine aurore aux deux visages qui serait capable de prédire l'avenir. C'est elle la véritable menace. Idira laisse échapper un ricanement de mépris et se frotte les mains. Alors comme ça, elle peut prédire l'avenir. On verra ça. Elle va devoir se frotter à son spire cauchemar. Je sais pas si c'est une blague de psychique, pire, lol, cauchemar. Mes murmures sont peut-être vagues, mais ils ne m'ont jamais déçu. Maintenant que le seigneur capitaine s'en mêle, je lui prédis un avenir peu brillant. Et pas besoin de consulter mes amis des éthérés pour ça. Je recherche un interrogateur de l'Inquisition qui devait être arrivé sur cette planète. Avez-vous entendu parler d'un individu répondant à cette description? Visage de Jasper Bellamy lorsqu'il vous répond. En effet, oui. Mais j'ignore où il se trouve, j'en suis désolé. Mais je n'aime pas parler des affaires de l'Inquisition. Je n'ai pas d'autres questions. Votre serviteur, t'es pas blessé, soldat? Non, et c'est grâce à vous, votre seigneurie. Ces cinglés ont envahi toute la ville, ils mutilent tous ceux sur lesquels ils mettent la main, en leur arrachant les yeux avant de les abandonner, fous de douleur, à errer dans les rues en bredouillant des insanités. Il baisse la voix et ajoute avec gravité. Le haut commandement refuse que l'on en parle, mais j'ai entendu dire que ce n'était pas des insanités, mais bel et bien de l'hérésie. Il semble qu'écouter ces piaillements vous secoue le cerveau. Ça a littéralement figé un soldat sur place. La foule d'hérétiques en a profité pour se jeter sur lui et l'a emmené je ne sais où. Ok, très bien. Vous avez raison, il ne faut pas rester ici. Sans quoi, nous risquons de croiser d'autres rebelles. Je vais me trouver un endroit sûr d'où surveiller le ciel et voir si des navettes tentent d'atterrir. Que l'empereur vous protège, votre seigneurie. On a discussion. Cool. Et là, c'était intéressant, enrichissant, prenant. Petite sauvegarde quand même. Hein. Petite sauvegarde, s'il vous plaît. Voilà, je sais pas. Ça, c'est sauvegarde automatique. C'est que des sauvegardes automatiques, sauf là. Hein. Sauvegarde ici. Ok. Bon, on va
peut s'enfiler là-dedans pour voir si au cas où il y aurait un truc que je verrais pas. Non, ça nous monte un peu l'autre côté, ok. Ça sent les vraies embrouilles, hein. Victory awaits. Voilà. Ok, parfait. Les vraies embrouilles. Ah, je peux pas me mettre là. Oh, sad. Je vais me mettre là. Abelard. Ici. Cassia. Par là. Argenta. Par là. Idira. Par ici. Démarrer le combat. Hold on. Oh, ils sont furieux. Oh, ils sont pas contents. You don't frighten me. Here we go, maggot. Let's get to it. Let's make it quick. Let's get to it. Ouh. I will endure. On a pris hyper cher d'un coup. Eh ben, Doubt is for the weak. Ta prochaine attaque à distance, elle est là, elle est maintenant. Ah, Fifi, t'as déconné. Franchement, t'as déconné. As the Emperor commands, I act. T'as plus de sauce. Bah, tant pis, t'auras quand même une sauce. Rejoice in battle. Eradicated. Le nombre de points de fou, 8. Vas-y. Tapis romancie. Oh, j'ai envie de faire péter ce baril. Hein. T'as vite un échec. Anything else? Avec Cassia maintenant faut tenir. Will do. Let's get to it. Oui bon alors là, bonne journée mec hein. Ah je t'ai spécial. Hein. Ah c'est autre chose que tirer sur les fifi qui ont pas d'endu hein. Ah j'en ai plus long d'un coup hein. Oh là, là. Oh, je vais me faire un petit schlass de 3 là. Oh, le pactole au fusil à pompe. Je te dis que ça. Alors, la prochaine attaque qui casse des culs. Voilà. Ouvre-moi ces fils de pute en deux. Voilà. Ajouter. Cassia, alors Cassia t'es pas fraîche. Voilà, hein, sans vouloir être insultant. Mais genre je t'aurais bien fait en soulever tout ce paquet là, hein, ça aurait été rigolo. Mais tu vas aller là. Tu vas leur faire coucou hibou. Step aside. The navigator is coming. Donc, tu es 5 ennemis avec une seule attaque. Bon voilà, c'est fait. Normalement j'avais fait ça avant, mais voilà, non. Je peux pas lancer mon attaque parce que... Pourquoi? J'ai les deux points, je peux le faire. Do not dare ask. Ah c'est trop éloigné, c'est à quel... Ah c'est là, putain c'est jusque là. Ah ok, ok, ok. Alors révéler la lumière de quelqu'un, la distance, ça marche sur n'importe qui. Okay. Et ça fait quoi déjà? J'ai oublié. Bonus de force mentale et d'endu. Allez. I am a navigator, not a servitor. Et ça fait quoi? L'officier oblige un allié à se surpasser augmentant ses caractéristiques de plus 15. Allez. Me. If you insist, Lord Captain. Bah, Ardor n'a pas encore joué.
Voilà. Let's go. Ah. Récupère immédiatement tous ces PA et tous ces PD. Oh. Tout c'est quoi? Ouh. T'es sûr, hein. Est-ce qu'on peut jouer du 12? Est-ce qu'on peut s'éclater avec un petit coup de 12 là-dedans, là? Already done. Chandler, you didn't stand a chance. Ok. Je suppose que vu que j'ai attaqué, j'ai plus le droit de rien faire. Nothing I can't do. I'll bring glory to my bloodline. Allez, moi tout. Deuxième coup de 12. Ça c'est pour la famille. Nothing of value has been lost. Pas de problème pour moi. Je vais vivre en enfer. X. Je peux mettre un petit coup de hache pour terminer. Bonne journée, ma salope. Already done. Voilà. Ben, je pense que c'est une bonne façon de passer une bonne journée. Let's make it quick. Let's get to it. I need your aegis, oh Emperor. Ouh, j'en ai une qui est pas bien là. Emperor, protect the fallen. C'est terminé pour Cassia. Let's get to it. My ears are ringing. Et ben j'ai pas grand chose mes petits potes hein. J'ai pas. On est pas fou ici hein. Bon il reste plus grand monde hein. Qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair. Voilà. Mettre une petite cartouche là-dedans. Hein. Voilà. J'ai plus grand chose. Ça va manger tous mes moves, mais je peux plus rien faire. Ok, cool. Ok, donc il faut tuer là, hein. Faut faire quelque chose, hein, mes grands. Les grands, mes petits gars. Ta 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 ta. Te mettre là. Te faire faire une petite pyromancie sur lui, comme ça je suis sûr qu'il est dead. Ça mange pas de pain. Et toi là, petite pyromancie. Chine, t'es mort. Voilà. Ouais, derrière le tonneau. Alors ça m'avancerait vers Miss, mais en fait ça n'a aucun intérêt. Anything else? But of course. Qu'on blinde un peu la Miss là. Lui on s'en fout, il est mort, hein. Aucun intérêt. Les deux qui sont scotchés au pot sont déjà finis, ils ne s'ajustent pas quoi. Voilà, toi tu mets un coup de lame là-dedans. Hein. Voilà, merci. Merci ma poule. Par contre j'ai plus de move. J'aimerais bien savoir pourquoi dans ce jeu dès qu'on attaque on n'a plus rien. C'est vraiment ça me fout un somme monstre. Suits my purposes. Revirement, c'est sur une attaque de 3, balayage. FA 13, ça sert à rien. Pourtant, nothing I can't do. Il va encore se faire allonger. Hold on. Opposing me was your biggest mistake. Tu n'as aucun soin, aucun heal. Viens ici. Petite
Petite pression sociale. Petite destruction de l'adversaire. Voilà. Voilà, c'était hyper rigolo. Bon, on a des clodos un peu partout, hein. Allez-y, on prend tout. Hop, là-bas il y a un morceau de clodo aussi à ramasser. Hop, on prend tout. Clodo par là. Hop. Pas de butin particulier, là il y a un truc à lire. Cette tourelle est a été installée en toute hâte, mais son technomate, technomate, ouais, son serviteur d'armes, n'a pas eu le temps de l'activer. C'est un serviteur d'armes en français. Ok. Something of interest. What is that? Oula, oui, d'accord. Il y a du piège. Burden of failure is the most terrible punishment. Ça a été miné Never partout. Doubt me. I better myself through my service. Les rebelles se sont enfoncés dans la foule de l'autre côté des barrières de la mine, comme s'ils ne craignaient pas la mort. New challenge for me. Ils ont rush bico. Change is coming. The edge is nigh. The blinded ones are harmless. No sense in shooting them and drawing attention. Fire on the nearest target! Don't kill the tech priest! We need to take him alive! Let those who ignore this find it. And let their enemies win. Hold back! Pascal. Il s'appelle Pascal. L'homme vêtu de rouge n'aurait jamais dû survivre à une explosion pareille, mais il est bel et bien en vie. Vous entendez le sifflement du respirateur qui recouvre la moitié de son visage. Un tri émerge des plis de sa tenue écarlate, en partie consumée. Vous reconnaissez du binaire, l'idiome sacré de l'Adeptus Mechanicus. L'hymne se transforme en une voix synthétisée par un vox semblable au roulement du tonnerre sur une vaste plaine. Halte là. Il lève une main décharnée pour vous arrêter et votre vox se met immédiatement à hurler de douleur tandis que votre équipement mécanique se met à crépiter. La hache énergétique flamboyante du techno-prêtre projette une nuée d'étincelles vertueuses et sa visière émet une lueur bleu-vert menaçante. Fuyez, car je suis la mort. By the throne, what is that servant of the Omnishire made of? Adamantine? Ugh, blasted. Par le trône, ce serviteur de l'Omnimessie serait-il fait d'adamantine? Argh, malédiction! Abelard se met la tête à deux mains alors que son implant oculaire est assailli par une vague d'interférences. Monsieur le libre marchand, Balador Von Vossius, je ne vous veux aucun mal. I identify you as a member of a high strata belonging to Rogue Trader House von Valancius. I am detecting no need for confrontation. La visière du technoprêtre se focalise sur votre tenue et examine ses symboles. Je vous identifie comme membre d'une haute sphère appartenant à la maison de libre marchand Von Valancius. Je ne vois pas de raison d'en venir aux mains. Bravo, mec. The convoy received an order to meet you. It is no longer functional. Therefore, I propose that we continue to advance to the rendezvous point with the governor's soldiers. La lueur menaçante turquoise qui animait le regard du technoprêtre se dissipe. Il baisse le bras et votre équipement cesse aussitôt de dérailler.
Le convoi a reçu l'ordre de se porter à votre rencontre, attendu qu'il est à présent hors d'usage. Je vous invite à poursuivre notre chemin en direction du point de rendez-vous avec les soldats du gouverneur. Le technoprêtre regarde droit devant lui d'un air déterminé et ses mécadendrites s'élèvent gracieusement autour de son corps penché, éclairé par les flammes qui rongent les restes encore fumants de la machine. Donc une mécadendrite, prothèse robotique en forme de tentacule fixé chirurgicalement à la colonne vertébrale. Désignez la machine détruite. Alors, qui êtes-vous déjà? Je réponds au nom de Magos Pascal. Clergé de Mars. By the grace of the Omnissiah, I am currently assigned to the maintenance personnel of the station Alta Templum Calixus X-17. Par la grâce de l'Omni-Messie, j'appartiens actuellement au personnel de maintenance de la station Altar Templum Calixis X-17. Alta Templum Calixis. I have heard the name before. The station appears on House Orselio's star charts in the Furibundus system, not far from the void colony of Footfall. You have traveled a long way to come here, esteemed Magos. Donc Cassia nous dit qu'elle connaît ce nom. Cette station apparaît sur les cartes stellaires de la maison Orselio, dans le système de Furibundus, non loin de la colonie de Castel. Vous avez fait un long chemin pour arriver jusqu'ici, vénérable Magos. Désigner la machine détruite. Comment avez-vous réussi à tuer tous ces gens et à démolir une machine sacrée sans même la toucher? Le technoprète se retourne et regarde avec horreur le cadavre carbonisé comme s'il n'était pour rien dans ce qui venait de se passer. Son vox demande sur le ton d'une triste prière. C'est moi qui ai fait ça? Les voix sont being weird about him. They're saying garbled, conflicting things, like they're talking about completely different people. But he's not a threat to you, even if that's a bit hard to believe after all the fireworks. Idira observe le technoprêtre un long moment en se mordant la lèvre, puis se penche vers votre oreille. Les voix me racontent des choses étranges à son sujet. Leurs propos sont confus et elles se contredisent, comme si elles parlaient de plusieurs personnes à la fois. Mais vous ne courez aucun danger, même si je sais que c'est difficile à croire, après ce spectacle pyrotechnique. Pourquoi souhaitez-vous voir le gouverneur ? But the rabble's unrest prevented our meeting, and I was on my way to Governor Medina to determine my mentor's current location. Le technoprêtre hésite un instant en jetant un coup d'œil à ses mécadendrites, comme s'il les consultait. Son système Vox finit par répondre : Je suis venu ici pour accomplir une mission sacrée. Mon mentor, l'archimagos Amarnath, m'a convoqué. Et je me suis empressé de répondre à son appel. Cependant, les troubles provoqués par la populace ont empêché notre rencontre. Et j'allais m'entretenir avec le gouverneur Médinet afin de déterminer où se trouve Amarnath actuellement. My escort was ordered by the commander to discontinue their movement and await to be merged with your group. Then, due to their incompetence, they let themselves be killed. It was an unacceptable complication to my task. Donc, le commandant de mon escorte a donné l'ordre aux gardes de rester en position et d'attendre de se joindre à votre groupe, mais leur incompétence a entraîné leur mort, ce qui a compliqué ma mission de façon inacceptable. Si la voix du technoprêtre pouvait laisser paraître une once de compassion, les mots secs crachés par son système Vox en sont exempts. Vous devez être entièrement dévoué à votre mentor pour accepter de vous coltiner le sale besoin et sa place. Je vous invite à rejoindre mon entourage. Il est content comme un droïde. Qu'on va pouvoir augmenter. I won't tolerate weakness. Et
Pour moi, ça, c'est la suite. Pour ça, ça m'embête. Ça m'embête. Faisons l'augmentation de ce personnage. Alors, donc, on va le passer niveau 4. Ah, bah, du coup, t'es pas du même niveau que les autres ? Hein ? Pas même niveau que les autres. Ouais, technomaîtrise, hein. Il se pose là, le monsieur, évidemment. Il est intelligent. Il a des grosses capacités de combat. Un gros close combat. Pas mauvais tireur. Ok. Opérator. C'est un opérator. Perception, intelligence. Son intelligence, ça me paraît pas mal. Sa perception, ça sert à rien d'aller dessus. Son intel, son amélioration de l'origine Monteforge, tatata. Allez, je vais augmenter son intelligence pour le fun. Acier de la forge. Lorsqu'il porte une armure lourde, les personnages des Monteforge bénéficient de plus 1 PD et plus 1 réflexion. Sont également invulnérables à l'effet immobilisation. Tant qu'il m'amène. Suivant, on peut gagner cible fraîche. L'opérateur attaque un ennemi dont la réserve de blessure est pleine. Ça, c'est chiant. Non. Non, j'aimerais bien aller te chercher un petit plus quelque part là. Tes protocoles d'escarmouche. Bref. Les athlétismes, commerce sur la sociabilité, on en a rien à carrer. Les expertises, on sait pas quelle arme on aura à la fin, donc c'est pas utile. Les divers maîtrises. Ah, il n'y a pas l'accès aux stats ? Ah si. Du coup... Intelligence. Suivant. Intelligence. Suivant. Il va être balèze en intelligence, hein. Bonus de perception x3. Ah, il aurait peut-être fallu augmenter sa perception. Études conjointes. Jusqu'au tour suivant de l'opérateur, les attaques de ses alliés neutralisent les exploits et infligent des bonus. Infligent plus bonus d'intelligence, point de dégâts en plus. Ok. Attaque, emplacement parfait, machin. Bon, on va lui prendre ça. Ce que j'ai gonflé ça en intelligence. Sa technomaîtrise, bien sûr. Bien sûr. Même si, logique, du coup, il a 45. Hein. Il est chaud, le monsieur. Technomaîtrise. Ah, technomaîtrise, c'est un assassin, le gars. C'est un criminel. Ça, il est level 7 comme tout le monde. Ok, parfait, impeccable. Impeccable. Impeccabilis. Récupère-moi tout le crew. None shall stand in my way. Je vais faire une sauvegarde. Hop. Bon, techniquement, faudrait que je mette fin à cet épisode, ce serait judicieux de ma part. Voilà, parce que les épisodes sont trop longs après. J'en sors un que tous les 46 du mois. Et 46 dans le mois, sachez que c'est pas souvent. Mais moi, je rappelle, il y a du butin à récupérer, voilà, du loot. Du loot, ma mène. Hop, on prend tout. De mémoire, voilà. De mémoire d'homme. Ici, il y a un truc à faire. Voilà. Il y a un butin à prendre ici, les boys. Non, je ne regrette pas en plus. Servir dans l'Imperial Navy est une bonne chose à faire. Mais c'était seulement sous Lady Theodora que j'ai vraiment senti la significance de ce que je faisais. Les tourelles, les systèmes de logique partout. C'est la suite, ça, en fait. C'est pas la fin. Hein. Non, c'est... Oh, je sais pas. J'ai un doute. Ça sent la bagarre, quand même. Hein. Ce sont de vraies têtes de mule. Ouais, ok, cool. Et alors ? Assez pleurniché, j'ai vu faire le technoprêtre deux fois et je lui ai même apporté un encensoir. Un jour, évidemment, qu'ils vont m'écouter et là, ça va péter. Eh,
Alerte, violation impie de l'algorithme. Oh. Nous, on fait demi-tour. On a peur des choses, d'accord ? On est des gens simples. On vient, on loot. Des gens simples. S'il y a tous ces cadavres, on tue les yeux impitoyablement brûlés. D'accord. Follow my lead. Ici, je suis pas sûr que vous puissiez entendre. Ah, bah voilà. Oh. Un Raptor Boltor. On t'a éliminé tout un groupe de serviteurs de chargement. Aucun n'a tenté de fuir. Contrairement à toutes les règles de rite d'opération, les réservoirs de Prometheum de cette navette ont été abandonnés et laissés ouverts. Quelqu'un a clairement interrompu le sacrement de ravitaillement. Ok. C'est cool. On est très content de le savoir, mec. J'ai quand même backdash parce que finalement la suite elle a l'air d'être de l'autre côté. Je vais taper une vieille sauvegarde ici encore. Hop. Putain, c'est la suite. Ah non, c'est juste une salle des machines. Ok. En juger par l'odeur caustique et les taches graisseuses du Prometheum étaient entreposées en ces lieux, il a dû tomber entre les mains des hérétiques. Ouais, tu m'étonnes. Projeter la serrure, allez. This exploratory is blessed with multifunctionality. Ah oui, projette frère. Ok, monde hostile, armure de plate éclat légère. On verra tout ça, hein. je des trucs, hein, mais pour l'instant j'avance. Hein. Est-ce que c'est judicieux d'avancer? Est-ce qu'il serait pas grand temps justement de faire une petite pause vidéo et puis de revenir pour faire le stuff, et puis le combat, et puis on est content, hein. Il se passe des trucs après, on est heureux, non? Bon, on peut se faire ça. Hein. J'ai des gens qui ont une vilaine blessure, côte cassée. Cette lésion peut être supprimée et complètement soignée à bord du vaisseau spatial. Ok, ça marche. Bon. Sur ce, je vous remercie. Bah, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Rogue Trader Warhammer 40 000. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.